France 24 et la première présente. Bonjour à tous, bienvenue dans l'hebdo Outre-mer consacré à l'actualité et à la découverte des territoires ultramarins. À la une cette semaine, la sécurité renforcée en Polynésie à quelques jours du début des JO. L'opération Sentinelle a été activée. À tout de suite. Elle est prête, la vague de Tiopo, pour accueillir les surfeurs des épreuves olympiques en Polynésie. Elle peut atteindre 5 mètres de haut, parfois 10, voire plus. Il y a quelques jours, la mythique vague était majestueuse. C'est bon signe à quelques jours du lancement de la compétition. Les épreuves vont débuter le 27 juillet. Pas moins de 6000 visiteurs sont attendus. Alors la sécurité a été renforcée, comme dans l'Hexagone, notamment dans les aéroports. À Faa, à Tahiti, les militaires de l'opération Sentinelle patrouillent. Comment leur présence est-elle perçue? Delphine Poudroux et Mirko Van Fou. À l'aéroport de Faa, à Tahiti, quelle que soit l'heure, il y a des scènes qu'on a pris l'habitude de voir, comme ces colliers de fleurs enfilés autour des cous des passagers, souvent au son du ukulélé. Mais voir des militaires qui se baladent avec leurs fusils d'assaut, ça c'est plutôt inhabituel et même inédit. On n'en voit jamais des militaires avec leurs fusils dans les parkings. Enfin, dans l'aéroport déjà, ça m'a choqué. Si ces militaires polynésiens ont été déployés ici, c'est pour sécuriser la zone aéroportuaire. Tous font partie de l'opération Sentinelle déployée dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. C'est un renfort précieux pendant la période des Jeux où on aura un petit peu plus de monde et il faudra peut-être élever le niveau des dispositifs de sécurité. On est sur un événement planétaire. La menace augmente toujours dans ce genre de circonstances. Pour les passagers à l'arrivée, cette présence est plutôt rassurante. Vu qu'on voyage quand même beaucoup, on sait qu'il y a certains pays où c'est coutume de voir ça. Donc quand je les ai vus, je me suis dit que ça devait être le cas ici. On est un pays où tout le monde reçoit, tout le monde sourit. Comme c'est les JO, bon, je pense qu'il faut suivre les recommandations de l'État. Présent depuis le 13 juillet à Tahiti, ces militaires seront sur l'aéroport de Faa jusqu'à la fin des épreuves de surf à Teupo. Une présence spéciale Jeux Olympiques à laquelle les Polynésiens vont devoir s'habituer. On reste dans le Pacifique et on parle aussi sécurité en Nouvelle-Calédonie. Cette fois, ce sont des gendarmes, plus de 300, qui ont été mobilisés pour débloquer l'unique axe routier reliant Nouméa au sud. La route du Mont d'Or est réputée sensible. Des automobilistes y sont souvent agressés. Le couvre-feu a été prolongé jusqu'au 29 juillet. Et sur place, le dégel du corps électoral a mis le feu aux poudres mi-mai dans un territoire encore sous tension. La présidente de la province sud, Sonia Backès, a remis en cause le vivre ensemble des accords de Nouméa. Elle propose aussi la séparation des provinces. Gervais Nitcheux. Alors que la Nouvelle-Calédonie peine à sortir d'une crise profonde, Sonia Backès jette un pavé dans la mare. Dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux, la présidente de la province sud dresse un constat cinglant, l'échec d'un destin commun entre loyalistes et indépendantistes. Invitée du journal de Nouvelle-Calédonie La Première, l'ex-secrétaire d'État défend sa position. On a aujourd'hui une majorité en province sud qui est non indépendantiste, qui veut valoriser le mérite, valoriser le travail. Et puis on a une province nord et une province des îles qui est dans un système plutôt féodal. On considère qu'une population, une communauté doit prendre le pas sur les autres. On a essayé pendant 26 ans de forcer ce vivre ensemble à tout prix. Qui ne Au final, pas, ça a implosé. Acceptons qu'on est différent. Sonia Backès acte donc la fin du vivre ensemble, symbolisée par la poignée de main historique entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, pour sceller les accords de Matignon, accord complété par celui de Nouméa en 1998 sur les transferts de compétences en Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes critiquent la déclaration de Sonia Backès. Je ne pense pas que l'accord de Nouméa a été une
une chimère pendant 26 ans. Au contraire, je pense que le vivre ensemble nous impose d'avoir de la hauteur d'esprit, de la hauteur de vue sur la situation. Mais il n'était pas question dans l'esprit des signataires qu'ensuite, après, les Kanaks là-bas, les Océaniens là et les Européens là. Sonia Baquès préconise l'autonomisation des provinces. Elle souhaite que chaque province récupère la compétence fiscale qui lui permettra de bâtir la société attendue par sa population. Les airbags Takata de nouveau pointés du doigt. Ce scandale secoue l'industrie automobile dans le monde. En Guadeloupe, nouvelle victime, un homme de 73 ans mort lors d'un accrochage entre deux voitures. La dégradation de ces airbags serait plus fréquente dans les régions chaudes et humides comme les Outre-mer. C'est le dossier de l'Hebdo avec Marilyn Plaisir et Michael Bastide. Une fois de plus, la route a tué. Mais cette fois-ci en cause... une pièce métallique comme celle-ci, éjectée après l'explosion d'un airbag. Le conducteur était au volant d'une Toyota Yaris, un véhicule acheté ici par son tout premier propriétaire. Le patron de la concession automobile l'affirme. Pour le rappel, des véhicules équipés d'un airbag défectueux, les mailles du filet se sont resserrées. Nous avons commencé les campagnes de rappel depuis septembre 2017. En tout cas, nous savons que c'était une Yaris qui datait de 2010, qui avait été revendue entre-temps. Nous avons pu retrouver la trace de ce monsieur et nous avons envoyé plusieurs courriers, 6 me semble-t-il, à ce monsieur. Et le dernier en date datait du 23 mai 2024. Alors, il ne pouvait pas ignorer. Combien de véhicules aujourd'hui en circulation, équipés aussi de coussins gonflables, fabriqués par la firme japonaise Takata? Pour la procureure de la République, les zones d'ombre s'estompent au fil des accidents et des décès. On a quand même des faits depuis 2017 avec 5 blessés et 6 morts rien que sur le ressort de Pointe-à-Pitre. Je compte même pas, il y a un autre mort à Basse-Terre, il y en a d'autres à Cayenne, il y en a d'autres à Saint-Denis-de-la-Réunion, il y en a d'autres également en métropole. Nous essayons d'instruire avec la difficulté qui est qu'effectivement l'entreprise Takata a fait faillite et il est difficile maintenant de rechercher les responsabilités. C'est un dossier qui a un volet international. Mais qu'importe les frontières à franchir, cet avocat est parti en croisade pour défendre les victimes des airbags tueurs. Notre volonté aujourd'hui, c'est qu'il y ait une instruction unique, confiée à un pôle spécialisé de santé publique qui se trouve à Paris, comme ça a été le cas dans le passé pour les prothèses PIP, pour le Mediator, toujours des scandales effectivement avec des produits défectueux mis sur le marché. Aujourd'hui, des vies peuvent être sauvées, à condition de ne pas faire la sourde oreille aux campagnes de rappel des véhicules. Cette belle initiative en Martinique, sans ophtalmologue dans le nord de l'île, la fondation Lunettes pour tous a permis à une trentaine de Martiniquais dans la précarité de bénéficier de montures et de verres pour enfin voir clair. La bonne idée de ce journal est signée Delphine Bess et Christelle Sivat. Pour Akeza, 9 ans, la rentrée en CM2 s'annonce exceptionnelle. Fini les difficultés de lecture. Pour la toute première fois, l'écolière portera des lunettes. C'est quand les mots étaient trop petits, j'arrivais pas à lire. Et maintenant, quand j'ai des lunettes, j'arrive à lire maintenant. C'est beaucoup mieux. Aucun ophtalmologue n'est installé dans les communes du Nord Caraïbe. Et à Fort-de-France, les difficultés pour trouver un rendez-vous découragent parfois les familles de prendre soin de leur santé. La vue est si souvent négligée que les 8 CCAS ont organisé un partenariat avec la fondation Lunettes pour tous. En juin, un spécialiste est venu procéder aux examens de vue. Les bénéficiaires ont reçu leurs lunettes ce matin. Je pense que sur les 25 000 personnes que compose le nom, je pense qu'il y a environ la moitié par rapport à l'âge, par rapport à la situation sociale des gens. Je pense que la moitié de cette population, 12 à 15 000 personnes, auraient besoin justement d'une assistance comme ça. On touche une infime partie et c'est dommage. Comme on a vu aujourd'hui, on a des personnes de certain âge. Peut-être qu'il y a des personnes qui souffrent de la cataracte et qui ne le savent même pas, qui sont des cas à opération et qui, pour des raisons, des fois, ont même peur de le dire. C'est compliqué. Pour les 30 bénéficiaires aujourd'hui, les lunettes sont 100% gratuites. Et Honoré, 87 ans, peut enfin voir à nouveau, de près comme de loin, ses interlocuteurs. Eh bien, mon corps est belle. Mon corps est belle. Mais avant, pas de kawaii, hein? Non, avant, pas de kawaii. En juin, la fondation Lunettes pour tous a également œuvré en Guadeloupe auprès des bénéficiaires de la banque alimentaire.
Une mission caritative qui s'étend aussi à l'international, mais ne solutionne pas le manque d'attractivité de nos territoires pour les professions médicales. Partons à la découverte de cette tradition venue de la Polynésie. Le défilé des porteurs d'oranges de Punaouia sur la côte ouest de l'île annonce la fête de ce fruit. Chaque année, les porteurs d'oranges sont fiers de présenter les premières récoltes au public. Les oranges sont pesées, mesurées lors d'un concours. L'orange de Tamanou est devenue emblématique. Et elle se mérite. Pour l'accueillir, les Polynésiens gravissent parfois jusqu'à 800 mètres d'altitude pour atteindre les plateaux et redescendre avec des kilos d'oranges sur le dos. Regardez. En juillet, ils sont des dizaines à descendre de Punaouia, les épaules chargées d'oranges, tous bien fatigués aussi. C'est dur quand même. À 71 ans, Jean-Claude fait partie des plus anciens porteurs de fruits. Et après avoir trop longtemps soulevé ses hauts faits, ses tiges de bambou sur les épaules, il a la bosse des bosses, celle qui rappelle qu'il est un porteur de fruits depuis l'enfance. J'étais tout jeune quand je suis monté dans cette vallée, et avec les tontons. Et puis là, j'ai continué. Là-haut, sur le plateau de Tamanou, ils y ont passé près d'une semaine, avant de pouvoir ramener les précieux agrumes. Alors au bord de la rivière, c'est beaucoup d'émotion à leur arrivée. Quand tu vois les anciens qui ne peuvent plus monter, il n'y a pas de mots. Alors maintenant, il y a les petits qui ont grandi et qui font ça. Je ne sais pas, il n'y a pas de mots tellement c'est là. Cette année, c'est sûr, malgré les efforts des porteurs, la récolte d'oranges ne sera pas aussi bonne. De saison en saison, les protecteurs de la vallée luttent contre les pestes végétales qui grignotent de plus en plus de terrain. Il y a quelques oranges, hein, mais bon, c'est plus comme avant. Hein. Bon, après, il y a des grands arbres aussi, des espèces envahissantes. Hein. Ils tuent les orangers. Mais quelle que soit la récolte en 2024, la tradition des porteurs d'oranges, celle qui se transmet de génération en génération, au moins depuis 1938, sera préservée. Et c'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction France24.com et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24. Pour me avec nous, je dois aller tout chez toi pour aller ou bien tout chez toi pour mourir sans nous tout bébé. Yo battli, yo fait le rendre sang, il rend sang noir à la fin de mourir. Il a quitté, il tombe de mourir tout. Et il a vu ma chérie. Dans les hauteurs. Les bandits comptent des armes que la police nationale ne détient pas. Ce sont des oligarques qui nous ont donné. Après, c'est pour système de travail. Les bonnes armées sont devenues puissantes parce qu'ils sont aidés et encouragés par des bras puissants. Il n'y a qu'une option pour les bandits. Ils laissent déposer les armes ou aller en prison. Quelle des forces multinationales, quelle des n'importe force étrangère qui vient dans le pays, hein? C'est un génocide de la vie. Nous exigeons, au nom de vivre ensemble, d'être à la table des négociations. Haïti, la loi des gangs dans Reporter Plus. À voir sur France 24.